Bien le bonjour à tous, c'est Kael et on se retrouve pour un nouvel épisode dans Auto Survive. Alors la dernière fois, donc on devait aller chercher la petite fille de la femme qui nous a piqué la batterie et les câbles donc pour démarrer l'avion. Alors donc on a dû faire tout un tas de péripéties, de parcours, à bras. Et en même temps, on a crafté pas mal de nouveaux objets, notamment ce boomerang qu'on peut améliorer et qui, donc, une fois amélioré, devient très très efficace, très rapide et très très efficace. Donc nous voilà, on avait réussi à trouver la fille. C'est parti, on va essayer de la secourir. Elle a voulu échapper aux zombies et donc s'est retrouvée sur un arbre prêt à céder. Alors, maman, c'est toi? Qui êtes-vous? Oui, ma maman. Mission terminée. Génial. On n'a rien d'autre à faire, du coup, là? Ah. Je ne peux pas bouger. Je vais tomber. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas tenir très longtemps. Trouvez une corde. Punaise. Le temps de mourir, quoi. Le temps qu'on trouve une corde. J'ai des intestins si tu veux, je t'envoie des intestins. Il y a vraiment pas une corde là. Oh là là, il va falloir ça. Ah, attends. Pouah, comme c'est la chaille. C'est loin. Qu'est-ce que ça. Génial, ça coupe tout ces machins. Ah, oh, j'ai chopé quelqu'un d'ailleurs. Il est vraiment génial quoi, en trois coups on démonte tout le monde, j'ai envie de dire. Munitions infinies. Oh, un bout de bois. Bâton. On va le prendre, on verra bien. Hein. Tant qu'on peut prendre des choses, on les prend. Oh, c'est génial. Ça aussi, surtout, c'est pouvoir les avoir à. Et voilà. Ah, cette arme est vraiment prodigieuse. Alors, je sais pas si elle a été très efficace contre ces bonhommes-là. On va essayer d'avoir de se débarrasser de ça. Ça l'a touché. Il est pas content. Génial. Ça marche en plus. Et en même temps, je bousille les autres. Du coup, je peux ramasser des tas de munitions. Mais on va pas trop prendre de choses parce que déjà ça c'est déjà un peu trop. J'ai déjà des munitions. Beaucoup de munitions. Donc on se débarrasse de ça, voilà. Voici une manière qu'on récupère. Du coup, il faut pas se déconcentrer. Oulala. On cherchait donc une. Je cherche une corde. Oh, génial. On va pouvoir tranquille un petit moment ici. Et un autre avion. Je sais plus comment ça s'appelle. Racine. Bizarre, d'habitude, c'est. Pas d'où ils sortent, mais ils sont nombreux. Hein. Ça en attire d'autres. Ouh, j'ai eu un coup de stress pendant un moment, ils étaient nombreux.
s'est arrêté cette sonnerie. Ça y est. Ok, ok. Et là, il y avait quand même les bestioles qui m'attaquaient un peu. Hein. Alors, je regarde, c'est pas autre chose que des munitions. On entend un gros là qui. Du coup, une vieille corde. Que je ne peux pas ramasser. Pourquoi? Pourquoi je peux pas. Mince! Non, je vais pas faire ça. Voilà. Hop, ça c'est bon. Du coup, je vais pouvoir manger ça. Parce que j'ai bien entendu. Sauf 100%, on va éviter. Sinon, j'ai quoi si j'essaie de trop mince. Bon, on récupère la corde. Ça, allez. C'est quoi? Petite tronçonneuse. Alors. Harpon, de l'essence, petit moteur, une chaîne et des outils. Bon, 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 bah, ça va être assez compliqué quand même à faire. Un autre ici. Bon, ouais. Là il y a une caisse à outils, ça sera utile. On va récupérer ça. Moteur de moto, petite chaîne oubliée, d'accord. Là il faut une couronne moteur. Vieux pneu. Ah mais il veut que je prenne rien. Oula. Il veut que je prenne rien du tout hein. Je suis vraiment embêté hein. Je suis vraiment embêté. Voilà. Voilà, j'ai même pas la poignée du coup. C'est dommage hein. Dommage. De plus en plus de trucs qui. Je sais pas quoi c'est. Ceci c'est. Oups. Ceci c'est donc un gilet pare-balles plus. Qu'est-ce que j'ai mis avec. Une fourche. Voilà, une fourche. Du coup on va boire. Mince. On va boire ça. J'ai pas perdu une bouteille dans l'action. Je sais pas. Du coup, voyons voir qu'est-ce que je. Ça, on peut le récupérer. Petite chaîne à moyen. Non, là, il faut vraiment une couronne moteur, d'accord. Bouteille vide. Ce sera intéressant. Pour l'instant, du coup. Ceci. Lente rouge spéciale. Non, ça m'intéresse pas. Aussi des os, mais les os, ça m'intéresse pas non plus. Ah oui, autre chose que je voulais voir, c'est. Ça c'est pour utiliser, d'accord. Il y avait autre chose que je voulais voir, c'était les casques, ouais. Avec quoi je peux les combiner? Je peux combiner avec ça. Le problème c'est que j'ai pas la place pour. Ça c'est. Je sais pas quoi c'est. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ça, c'est pour mélanger aussi. Je suis un peu bloqué là, hein. Niveau inventaire, ça. Bon, j'ai la corde, on va aller l'utiliser et après on avisera. On va laisser les choses où elles sont. Hein. Tant pis. Du coup, c'est par où? Donc, j'ai découvert un peu tout ça. Ok, là, ce serait pour revenir. On pourrait dire ça. Il faut que j'aille chercher la petite. Allez, par là. C'est quoi qui est ici? Non, il n'y a rien. Vraiment pratique, hein, cette arme. On fait tout avec, quoi. Ah non, c'était pas là. Du coup, en fait, j'aurais pu faire tout droit, en fait, quand je suis tombé là-dessus, je sais pas... J'ai pas fait attention. Ah, il y en a qui sont revenus. Salut, toi. Voilà.
qui sont nombreux là. On va se débarrasser de celle qui traîne derrière. Comme ça, on a les arrières qui sont propres. Et on va essayer de se faire tout ça. Et puis, hein, je suis vraiment addict de cette arme. Allez, hein. Taisez-vous. Voilà. Alors, voyons voir. Hop. D'accord, je vais essayer de l'attraper. Mission terminée. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Don't fall, Teddy. Mais lâche ton ours. C'est moi qui ai fait ça? Non. Non, je peux pas croire ça. C'est moi? Oh mon dieu, la branche s'est brisée, la gamine a disparu, je ne la vois même pas dans l'eau. Comment vais-je expliquer ça à sa mère? Ça va la tuer, mais je dois lui dire. Ah mais vraiment? Vraiment, vraiment? Non. Bombe. Oula. De toute manière, elle aurait pas pu survivre ici. Oh. Un peu pété à la figure, les. Bon, quelques bandages, ça fait du bien. C'est multiplié à une vitesse, ces machins. D'ailleurs, en parlant de ça, c'était ici qu'il y avait. Ah, il faut le jerrycan d'essence en fait. Je crois bien qu'il faut chacun des sens. Voilà, on va voir. Si je les prends, est-ce qu'il y a moyen de. Non, les combiner. Non, il n'y a pas moyen. Franchement, beaucoup plus efficace les armes artisanales, hein, comme ça. De base anti-zombie, ça. Hein. Certified. Hop. J'ai eu peur pour un petit moment. Se place bientôt la nuit. Petit bobo quand même. Hein. C'est quoi ça? C'est pas signe de la nuque. Ouais, faut que je grimpe là. C'est par là. Voilà, c'est rempli de zombies. C'est bien ça, c'est bien. Alors, on va pouvoir se faire. Toi, avec toi, bien, bien, bien. Ouais. Un bâton. Et encore, ça se ramène. Et voilà. Vous l'avez trouvé? Où est ma fille? Où est Emily?
Oh non, s'il vous plaît, non, pas ma petite fille. Vous l'avez laissée mourir, enfoiré, sac à merde. Prenez ce que vous voulez, dégagez d'ici. J'en ai plus rien à foutre de ces monstres, je serais plus utile morte de toute façon. Mission de merde, level up. Oh, c'est horrible. Mais c'est vraiment moi. J'ai un doute, hein. Faut vraiment préciser, hein. Mais j'ai vraiment un doute si c'est moi qui l'ai tué ou si c'est scénarisé comme ça. Du coup, j'ai plus de place encore. Je peux pas tout prendre. Alors, j'ai un peu de fatigue, mais ça m'intéresse pas trop. Faudrait que j'arrive à libérer une place en fait. Qu'est-ce que je pourrais me débarrasser? On va lâcher la lame d'os, hein. J'ai ce qu'il faut, on va dire. On va prendre des câbles et voilà. On va retourner à l'avion. Du coup, level up, oui, on disait. Alors, voyons voir. Donc, j'ai un point. Qu'est-ce que. Tempête de feu. Des flèches incendiaires. Ah, j'avais la recette, mais je pouvais pas le faire, du coup, en fait. Ça sera plus utile, j'ai l'impression, quand même. On va prendre ça pour cette fois. Voilà. Non. Voilà. On va laisser comme ça, c'est ira. La prochaine fois, je mettrai plutôt la détection des plantes parce que ça peut être utile. Oh bien, je l'ai tué. Du coup, par où c'est? Oh, il y a un singe que j'ai pas vu là-bas. Oh, c'est vers la plage. Non, on va aller vite voir Ramon, rendre la quête, on va dire ça comme ça. Quel est le chemin le plus court? Ça serait par là en fait. Hop, passons par ici. Est-ce qu'ils sont nombreux en plus? Merde. J'ai un petit souci. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Lola. Oh, qui fait mal, lui? Oulalalala, de nuit, j'aime pas ça. S'il veut pas mourir. Ah, ça. Je vais essayer d'aller quelque part où je serai peut-être moins embêté. Il va me tuer. Comment faire? Ouf! Oh, c'était chaud! C'était chaud! Putain, je m'y attendais pas du tout, j'ai utilisé tous mes soins. C'est quoi ça? Ah, ça. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Tiens, coco, la fiche! Ah, d'accord, du poisson, et j'ai toujours pas trouvé comment me faire une canne à pêche en fait. Là, il y a le baril d'essence. Alors, papy, tiens,
Tiens, en revenant, encore un seul morceau, merveilleux. Vous avez les pièces? Enfin, laissez-moi jeter un coup d'œil. Les câbles semblent en bon état, on peut utiliser bien. Voyons voir cette batterie. Mon sang est fissuré, on ne peut pas l'utiliser, cette batterie est complètement inutile. Fichtre! Toujours coincé ici, du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire, papy? Ok, on doit trouver une autre batterie. Génial. Andrew nous avait parlé d'une épave d'avion encore plus vieille. Elle se trouve sur l'île de Santa Barbara. Nous trouvons peut-être une batterie là-bas. Vous pouvez y aller et jeter un coup d'œil. Vous êtes mon seul espoir. L'île de Santa Barbara se trouve au nord-ouest d'ici. J'ai réussi à réparer un bateau pendant que vous étiez parti, celui attaché au bout de la jetée. Prenez-le, ça vous fera gagner du temps. Trouvez l'épave de l'avion, prenez sa batterie et ramenez-la à moi. Bonne chance. Du coup, voilà, on en est là. Moque-toi le singe. Du coup, où est-ce que j'en suis? Va-t'en, toi. Alors, ouais, moi, j'ai un peu d'espace. Ouais, j'avais laissé pas mal de trucs quand même derrière moi. Bon, on va laisser ça derrière. Et direction... va-t'en, toi. Décidément, elle ne nous arrête pas de me harceler. Et nous voilà sur l'île de Santa Barbara. Et on reçoit tout de suite un très bon accueil. Où est-ce? J'ai trop l'impression d'être sur la même île en fait. Mais c'est ça en fait. On est sur la même île. Ah non, le bateau c'était pour du coup aller au nord et donc prendre cet appareil. Appareil qui est en train d'être réparé, je ne sais pas par qui. Ce qu'on va faire c'est... Merde. Oh bah ça va. Et on va faire un bon gros dodo. Parce que le jour c'est quand même mieux. Alors ouais, on va voir. Ça c'est pour faire quoi? Ah oui, plante rouge, etc. Ok, du coup ici, là il fallait une courroie, donc lui il doit être en train de réparer tout ça. J'ai récupéré la chaîne. Ce que j'avais pas pris, c'était le pneu. Prendre le pneu. Alors, le pneu, qu'est-ce qu'on peut en faire du pneu? Combiné avec le pneu, on peut en faire des morceaux, on peut rien en faire pour l'instant. D'accord. Je sais, je récupère tout un tas de choses qui va largement m'encombrer encore et encore. Désolé pour cette gestion d'inventaire un peu rude, mais bon. Je vois pas comment faire autrement. Bon. Ah, c'est mon ami Kovac. Bonjour mon ami, vous avez l'air en bonne santé, étant donné les circonstances. Je vois que vous avez développé une addiction à la survie. Grâce à mon guide de survie, évidemment. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous avez besoin de mon ULM, pourquoi faire? Vous ne quitterez jamais ces îles avec ça, il n'est pas assez puissant. Le vent pourrait briser ses ailes, même au décollage. C'est une pensée futile, mon ami. Vous voulez simplement atteindre l'île de Santa Barbara? Je vois. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis encore en train de le réparer sans vouloir vous vexer. Je ne veux pas qu'il casse une fois de plus. Je suis désolé, vraiment. Essayez de convaincre Kovac de vous laisser piéter l'ULM. Comment tu veux le convaincre? D'accord, prenez-le si vous insistez. Si vous vous écrasez, vous me devrez un ULM. Je n'ai pas encore fini de le réparer. Faites attention, vous allez avoir besoin de ça pour décoller. Et la courroie. Voilà. Ah non, faut... hop, et on répare. Bien. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, ah mince. Oh, nous voilà donc sur l'île de Santa Barbara. On a dû craser sans doute un zombie au passage. Oh, il y a des valises. On peut fouiller les valises? Voilà. Oh, des lunettes, qu'est-ce que c'est? C'est génial ça, des lunettes.
Tout est vide. Voilà, rien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des lunettes? En tout cas, rien pour l'instant. Bah, oulala, casse-toi toi. Pas les pattes. Il y a un truc ici aussi encore. Lampe torche. Bon, pour l'instant ça ne me servira à rien. Quoi ça? Rien. Bon. Rien de bien très important. Alors voyons voir où on se trouve. D'accord, bon, il y aura un autre type par là, un singe par là. Et une quête par là. C'est quoi? C'est quoi chez vous? C'est là? Barre en fer. Barre en fer. Toujours être utile, mais. Mais on est complètement plein, hein. Il n'y a pas moyen qu'on puisse faire quelque chose de tout ça. Il y a quoi que je peux boire aussi? Ça. Ça guérit tout ça quand même. Bon, bah tant pis pour l'instant, hein. On va se laisser comme ça. On va voir ce qu'il y a par là. Voilà, tu restes couché. Du coup, non, pas d'autre. Non, pas d'autre. Ok. Du coup, bon, la barre en fer, je peux pas la récupérer pour l'instant. Tu meurs. Alors, bien sympathique l'île pour l'instant. Pas trop de. Pas de trop. Juste ces bestioles collantes, quoi, surtout. Là. Ouh. C'est quoi ça? Elles sont grandes. Bien, hop là, et on pète la crâne de tête. Bon, bah ça fait pas mal de choses et on commence à être un peu en mauvais état. Le problème, c'est que je crois que j'ai plus rien pour me soigner. Par. Non, c'est pas ça que je voulais. Par peut-être ça. Ce serait bête de l'utiliser dans ces conditions, mais bon. Ça serait bête, mais bon, voilà. Commence à être à... Bon, bon. Allez, on va essayer de. Non, bah, on va retourner sur l'île avec l'ULM. On va voir. Est-ce qu'il y a Kovac qui va nous parler encore? Puis, vu qu'il y avait un point de sauvegarde juste à côté de cet endroit, on va sauvegarder. On ferme ça et on sauvegarde. Voilà, et on se dit au revoir et à une prochaine fois. Gros bisous à tous, pouces verts, abonnez-vous, ciao ciao!